Bienvenue dans le premier module de formation d'Elaïs avril 2023. Premier module où nous allons parler, mais nous y reviendrons plus tard. On va faire l'introduction, c'est le PowerPoint que je vais vous présenter. Ensuite, l'installation, le survol des modules, le paramétrage, etc. Mon nom est Luc Gaïs, je suis le gérant d'Elaïs et développeur principal. Je suis géomètre de formation. Et Elaïs, mais encore une fois, on y reviendra également plus tard, est un logiciel qui est né il y a une dizaine d'années, voire beaucoup plus, et qui a aujourd'hui atteint un certain niveau de maturité. C'est ce que nous allons voir. Alors, un petit historique d'abord des logiciels de type Elaïs. Nous avions, avant les solutions intégrées, donc Elaïs est une solution intégrée, avant les solutions intégrées, il y a bien longtemps, dans les années 70, on avait en fait des logiciels spécialisés qui étaient en général très très chers, avec des qualités et des défauts. Les défauts, c'est qu'ils étaient très spécialisés, plutôt leur qualité, c'est qu'ils étaient très spécialisés, et leur défaut, c'était d'être souvent très chers. Alors, leur défaut, je le disais, plusieurs applications au-delà de leur coût, des fichiers divers, de multiples encodages, une perte de qualité des données, de l'hétérogénéité des données, justement. On pouvait égarer ces données et on avait énormément de pertes de temps à encoder plusieurs fois la même chose. Alors, ça, c'était déjà l'apanage des grosses sociétés. Par contre, les petites sociétés, pour elles, soit elles faisaient le pas d'investir dans ces logiciels très spécialisés, soit elles n'investissaient dans rien du tout. Ensuite, sont venus un peu plus tard, dans les années 80, les grosses boîtes ont vu apparaître les ERP. Donc, un ERP, c'est un Enterprise Resource Planning. C'est un logiciel intégré où toutes les applications, justement, étaient regroupées en une seule. Et on a vu émerger MS Office. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de suites logicielles de ce type-là. Mais à l'époque, il y avait MS Office, qui permettait pour des coûts relativement moins importants déjà de gérer un bureau, mais on retrouvait les défauts qu'on retrouve toujours dans les logiciels séparés et spécialisés de plusieurs applications, fichiers divers, etc. etc. Aujourd'hui, on retrouve bien évidemment toujours les ERP qui ont évolué. On trouve des ERP beaucoup plus accessible pour les petites entreprises et évidemment Office a toujours gardé sa suprématie en fait dans la gestion des petites entreprises. Alors on trouve également aujourd'hui sur Internet, si on a un moteur de recherche et qu'on tape solution de gestion intégrée, vous allez tomber sur une multitude relativement importante de programmes qui ont leur qualité, beaucoup de défauts, et qui semblent toujours subvenir à tous les besoins. Et c'est comme ça que beaucoup d'utilisateurs se laissent embarquer dans des solutions qu'ils n'ont pas pu tester, évidemment qui ne sont pas très chères, mais qui ne sont pas non plus véritablement performantes. Et on trouve, voilà, ici sont des, j'ai mis quelques moteurs de recherche. On trouve tout en fait sur Internet et ces solutions ont l'avantage, enfin un dernier avantage ou une dernière caractéristique qu'elles présentent, c'est d'être toujours très attrayante, très sexy par des couleurs, par des interfaces sophistiquées, mais ce qu'il y a derrière en termes de gestion n'est souvent pas très très élaboré. Alors Elaïs, c'est donc également un logiciel de gestion intégrée spécialisé pour prestataires de services. J'ai ici mis 8 types de prestataires, dont évidemment les géomètres. Et donc, ce logiciel se veut gérer donc toutes les facettes du métier de service. Quand on voit les autres professions, on trouve les architectes, les géologues, les agronomes, et d'autres encore. Et en fait, on s'est rendu compte en développant qu'en faisant un zoom arrière sur la problématique du géomètre, mais on retombait sur la problématique d'autres prestataires de services que sont par exemple
le CRM, donc la gestion des gens, la gestion des prestations, la gestion des clients, etc., etc. On a tous à peu près le même problème. Et c'est donc ce type de logiciel qui a été un peu oublié des éditeurs. Encore une fois, il y a certains éditeurs qui proposent de le faire, mais avec des solutions qui, pour moi, c'est pas qu'elles soient inabouties parce qu'elles fonctionnent évidemment bien, mais elles ne vont pas dans le détail du service dont Elaïs va parler en profondeur. Alors, pour revenir à l'historique d'Elaïs, on voit que ça vient de très loin, ça vient des années 1995, où quelque chose existait déjà pour le bureau dont j'étais le gérant. Et puis, ça a évolué en plusieurs versions, 97, 2000, 2005, pour arriver en 2012, où tout ce qui avait été fait auparavant a été véritablement mis à la poubelle pour être redéveloppé dans un logiciel de développement professionnel. Alors, ce qu'on trouve sur le marché, on rejoint un petit peu peut-être une des diapositives suivantes. Il y a ce que j'appelle d'abord les grands acteurs. Les grands acteurs, voilà, on a cinq ici. SAP, qui est le top mondial des ERP, Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, Odoo. Ce sont cinq types de logiciels assez similaires, mais qui sont, encore une fois, avec plein de défauts et plein de qualités. Leur défaut, c'est en général d'être très cher, même si Odoo, notre petit Belge, explique que Odoo ne coûte rien, ce qui est un mensonge éhonté, si on veut arriver à personnaliser le logiciel. Donc je reviens sur le terme boîte à outils, ce sont des choses avec lesquelles on peut strictement tout faire, mais à grand renfort d'investissement. Ça, c'est la qualité, donc on peut tout faire. Défaut, très cher évidemment, et quelque part pas accessible pour les bureaux de géomètres. Ici, on voit une série d'utilisateurs de ces logiciels-là, et on s'aperçoit rapidement qu'on ne joue pas dans la même cour de récréation. Alors, à côté de ces logiciels grands acteurs, nous avons les solutions commerciales. Alors, les solutions commerciales comme Ciel, Bob, Sage, ici à gauche ou plutôt au centre, ce sont des logiciels qui émanent des éditeurs de logiciels de comptabilité. La troisième colonne, ce sont des logiciels libres qu'on peut trouver donc sur Internet. Qualité, ils ont une compte en général, puisqu'ils émanent des éditeurs de logiciels de comptabilité, ils ont une comptabilité intégrée, chose qu'Elaïs ne fait pas et ne fera probablement jamais. Par contre, défaut, le service est très léger, la définition du service, le suivi des services est relativement léger. Alors, Elaïs, je l'ai mis dans une quatrième colonne, un peu à part. Et à côté de ça, bien évidemment, il reste toujours les milliers de solutions qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Alors, les objectifs d'Elaïs. D'abord, on peut dire qu'Elaïs peut servir à devenir indépendant ou peut servir à améliorer l'existant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons un indépendant ou quelqu'un qui veut se mettre indépendant sans rien connaître ni à la compta, ni à la facturation, ni à rien du tout. Elaïs présente quelque chose qui peut l'aider et qui peut systématiquement ou plutôt rapidement et automatiquement éliminer toute une série de problèmes. Alors, pour revenir à notre métier de géomètre, mais le géomètre, il brasse quand même quelques techniques, entre guillemets, très variées, comme le droit, comme les outils assez sophistiqués, que ce soit volant ou pas volant, des logiciels, de la gestion de terrain ou de la gestion plutôt de la planification, eh bien, tout ça est un peu dans Elaïs. Alors, je parlais de planification, c'est clair que ça reste un problème. Il y a la gestion de la formation, il y a la gestion des clients et du personnel, il y a la fameuse facturation et il y a le suivi du cash flow. Il faut savoir que, par exemple, il existe un fascicule belge sur les obligations légales de la facturation. C'est un fascicule qui présente 42 pages. Bon, les 42 pages, elles sont quelque part dans Elaïs, donc il ne faut pas s'en tracasser trop.
Alors, le but des laïcs, donc l'objectif des laïcs, c'est supprimer en fait la majorité des fichiers Excel qu'on va utiliser par ailleurs. Il existe aujourd'hui probablement chez tout le monde une série de fichiers et de répertoires qui gèrent d'une part les clients, les dossiers, le matériel, les offres, les factures et bien d'autres choses encore. Et laïcs, donc, va proposer de manière très transparente. Donc ici, on voit l'image d'une partie, et j'ai envie de dire d'une petite partie des tables des laïcs. C'est tout aussi complexe, mais c'est complètement transparent. Et donc, on va voir toute la problématique du bureau de géomètre, avec très variées, problématiques très variées, mais interconnectées donc au sein des laïcs. On encodera par exemple une seule fois et une seule l'adresse d'un client pour la retrouver automatiquement dans la facturation ou dans un dossier, mais tout ça en totale transparence. Et en fait, on va gérer voilà, tous ces mots parfois compliqués, on va les gérer avec une seule interface, avec une seule base de données, et on va donc avoir son organisation de bureau. Alors, certains m'ont dit: oh, mais c'est beaucoup là, c'est trop. Il y a trop de choses, moi j'ai pas besoin de tout ça. Ça, c'est peut-être bien possible. Maintenant, pour répondre à cette remarque, je passe toujours par un comparatif de l'utilisation d'Excel et des laïcs. Alors, je ne vais pas comparer deux programmes. Excel est bien plus gros et bien plus performant et puissant que laïcs quelque part, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je vais parler ici de philosophie. Quand on achète Excel, on le met sur sa machine et pour la plupart du temps, les gens font des choses très très basiques avec Excel, comme des plus des moins, des graphiques quand on est un peu fort. Et puis on peut aller très très loin avec Excel. Le 437 qu'on voit ici à droite est le nombre de fonctions qu'intégrait Excel en 2022. Et encore une fois, on utilise ce dont on a besoin, mais tout est là. Avec Elaïs, c'est un peu la même chose. Si on gère déjà les contacts correctement, les contacts, les dossiers, la facturation, on est dans l'équivalent des plus et des moins d'Excel. Maintenant, avec Elaïs, on peut gérer une grande quantité de choses différentes qu'on utilisera ou qu'on n'utilisera pas suivant la personne ou les bureaux. Il est clair qu'une recommandation impérative que je fais toujours, c'est que dans un premier temps, soyez apte à utiliser à 100% les trois modules contact, dossier, facturation, et puis après, quand vous pourrez dégager du temps et que vous connaîtrez la philosophie des laïcs, mais ma foi, vous pourrez aller investiguer d'autres choses. Et si on s'en tient à cette philosophie, d'une part, on va gagner du temps au début et on ne sera pas totalement démoralisé par une trop grande complexité des laïcs dans son ensemble. Alors, les modules des laïcs, le premier, c'est évidemment le module contact. Alors, le module contact, c'est gérer des gens, des sociétés, des personnes rattachées à ces sociétés, et laïcs gère ce qu'on appelle les partenaires. Alors, les partenaires, voilà, ils sont en train d'être listés ici à droite. Ça va du client à consultant, en passant par bien sûr du personnel et des fournisseurs. C'est ce que Elaïs va gérer avec cette classification bien précise, classification qui sera utilisée à bon escient dans telle ou telle autre partie du logiciel. Alors chaque contact a une fiche qui ressemble à celle-ci, avec une grande quantité d'informations sur l'identification, sur de l'info générale, sur de la communication, la classification de manière à pouvoir retrouver à n'importe quel moment, n'importe quel contact. On va avoir pour un contact comme ici, qui est une société, la notion de personne rattachée et, j'ai envie de dire, bien d'autres choses encore. Ensuite, nous allons arriver dans les activités qui sont, ma foi, très importante puisque c'est quand même la matière première de ce qu'on va faire au bureau. Alors des activités qui sont divisées en trois niveaux.
le niveau de l'information, le niveau de l'offre et le niveau, bien évidemment, du dossier. Alors, on va passer en revue les trois niveaux. Niveau information, c'est quoi? C'est ce que j'appelle le bruit qui court. On va à un séminaire, on va à un mariage, on va à une réunion, on parle avec quelqu'un et on va apprendre quelque chose d'intéressant, de potentiellement intéressant en termes de dossier ou d'activité. Eh bien, on va le noter dans le module information de manière à d'abord le stocker et éventuellement, après peut-être, à le récupérer pour le faire passer à un niveau supérieur, donc c'est-à-dire soit une offre, soit un dossier. Ensuite, nous avons le niveau de l'offre. Le niveau de l'offre, ben, c'est une proposition de service à quelqu'un, un client ou un prospect. Alors, une offre, c'est deux choses. C'est une fiche, une première fiche offre, plus générale, qui va donner part belle à l'information, disons, plus administrative. Ensuite, nous allons avoir une fiche offre à proprement parler. Un poste d'activité à proposer au client. Alors, une offre, c'est quoi? C'est trois choses en fait. C'est un calcul de prix, un calcul de la proposition financière, c'est un calendrier de facturation, quand va-t-on facturer la prestation, et c'est un calendrier d'exécution. Ce sont les trois éléments dont le prospect a besoin pour prendre une décision. Alors, cette décision aboutira soit à l'abandon de l'offre, pardon, soit bien évidemment vers un dossier où le dossier, pour se créer, n'aura plus qu'à récupérer toute l'information qui aura déjà été encodée au niveau de l'offre. Et ensuite, bien évidemment, le niveau supérieur des activités et le dossier, c'est le module le plus complet qu'on puisse trouver dans Elaïs. Et dans un dossier, on va retrouver, voilà ici, on va en lister quelques-uns, on va retrouver quelques facettes de tout ce dont on a besoin pour mener à bien l'activité en question. Le niveau dossier activité, c'est aussi faire part belle à la géolocalisation qui permet par définition ben de géolocaliser sur Google à partir d'Elaïs toute une série de choses. C'est aussi tirer parti du géoportail de Wallonie. C'est également tirer parti de QGIS où automatiquement on peut, comme on le voit ici sur l'image, retrouver le contour d'une parcelle si on a les références cadastrales complètes. Donc c'est quelque chose qui, pour tous les métiers qui sont ciblés par Elaïs, revêt une importance assez grande évidemment. Ensuite, nous avons en quelques mots le module logistique. Le module logistique, c'est par définition tenir à l'œil tout le matériel du bureau. Et Dieu sait, pour un géomètre, si on peut avoir du matériel sophistiqué mais cher. Donc autant tenir à l'œil tout ce matériel. Une partie documents, ou plutôt gestion électronique des documents, puisque aujourd'hui nous sommes bien évidemment dans ce qu'on appelle la transition numérique. C'est un mot à la mode, mais bon, cette transition, elle est déjà là et bien présente depuis très longtemps. Alors, cette gestion électronique des documents dans Elaïs, ça permet de classer virtuellement dans des armoires, dans des classeurs, dans des intercalaires, toute une série de documents, mais surtout de pouvoir les retrouver en cas de besoin. On peut même aller chercher un renseignement dans le cartouche d'un plan, si par exemple, on n'a que le nom de la personne qui nous a demandé le travail ou encore le nom de la rue où ce travail a été effectué. Le module finance est évidemment un module pour le moins important puisqu'il va nous permettre non seulement de facturer, de faire des notes de crédit, mais il va aussi nous permettre d'élaborer des barèmes. Il va nous permettre d'élaborer ou de suivre plutôt les comptes bancaires. Et il va nous permettre en fin de trimestre de sortir ce qu'Elaïs appelle le dossier comptable, donc l'ensemble des factures de vente, donc notre service, et l'ensemble des factures d'achat en un clic,
à condition bien évidemment de gérer ses factures d'achat, ce qui n'est pas une grande sinécure d'un Elaïs, mais qui vaut véritablement la peine si on veut avoir à l'œil non seulement ce qui rentre, mais ce qui doit sortir. Le module communication, c'est au moins deux choses, les emails et les SMS. Les emails, on peut recevoir dans Elaïs la copie d'une boîte de réception Google ou n'importe quel type de messagerie. On peut les recevoir, mais on peut surtout distribuer les emails qui arrivent dans les objets d'Elaïs. Par exemple, si je reçois un email qui a trait à un dossier, je peux aller mettre cet email dans le dossier, etc. Les SMS, ce sont ce que j'appelle des SMS explicatifs ou en tout cas communiqués à quelqu'un, que ce soit un membre du bureau, pourquoi pas un client, par exemple le rappel de rendez-vous, exactement comme on le reçoit tous aujourd'hui de la part de son dentiste ou de son garage pour la voiture. Avec la grande avantage, c'est que tous les SMS qu'on va faire seront évidemment bien enregistrés quelque part dans Elaïs. Alors la gestion, pour finir, qu'est-ce que fait Elaïs en termes de gestion? Mais il va gérer deux choses pour le moins importantes dans Elaïs, c'est bien sûr les dossiers, donc l'activité, et le cash. Si on a déjà à l'œil ces deux grands objets, cash et activité, on a déjà une vue assez globale de son bureau et de la manière dont marche son bureau. Enfin, Elaïs fait part belle à quelques statistiques qui permettent d'évaluer certaines choses et surtout, parce que c'est le but des statistiques pour finir, de prendre des décisions. Elaïs, c'est aussi un tableau de bord un peu plus sophistiqué qui va nous permettre de sortir des choses, des ratios, des chiffres d'affaires, de la rentabilité, qui seront tout à fait lisibles par son comptable ou par un banquier, ce qui est très important, par exemple, dans le cadre de la demande d'un crédit de caisse, il suffirait d'aller chez son banquier ou le faire venir et lui montrer toute une série d'indicateurs pour qu'il se rende compte que le bureau fonctionne bien. Alors ici, c'est un petit test, c'est 9 questions, c'est un challenge qu'on s'était un jour donné. Avec Elaïs, quelqu'un a rédigé voilà 9 questions pour lesquelles on ne demande pas ici dans la présentation de répondre, bien évidemment, ce n'est pas possible, mais d'évaluer la difficulté avec laquelle vous auriez à y répondre avec le système que vous utilisez aujourd'hui pour gérer votre bureau. Combien coûte une heure de scanner? Est-ce qu'on peut se permettre un crédit de 1 500 € par mois en plus? Combien y a-t-il de clients actifs, etc., etc. Donc, toutes ces choses, quand même, que dans une gestion classique par classeur ou par fichier Excel, on aurait du mal à collecter. Alors, évidemment, le challenge et le deal qu'on s'était fait ce jour-là, c'est de dire, OK, on lance le chrono et on regarde le temps qu'on met à retrouver les questions. Eh bien, pour faire ceci, bon, ici j'ai mis 5 minutes, mais même en admettant qu'on reste 10 minutes à répondre à toutes ces questions, on a déjà ici une idée de ce que Elaïs peut rapporter comme temps dans son utilisation. Il n'est pas rare, voire tous les jours, de devoir chercher la réponse à une de ces questions-là. Eh bien, à chaque fois, on va gagner évidemment un temps fou. Alors, le projet Elaïs. C'est ce que j'appelle un projet, Elaïs. Installer Elaïs chez soi, c'est véritablement une démarche. Alors, c'est une démarche qui a comme but, évidemment, on va aller directement à la diapositive suivante, qui a comme but d'éliminer une grosse partie de ce qui est à gauche, c'est-à-dire une suite bureautique avec les fameux défauts ou problèmes qu'on peut y rencontrer, pour remplacer donc cette gestion hétérogène par une seule interface et donc par Elaïs. Alors, le mot et le problème plutôt dans un projet Elaïs, c'est de tourner la page et donc de changer plein de choses pour finir. Alors, c'est plein de choses.
Ils sont, oui, donc j'ai imagé ici le changement, voilà, de passer d'Excel par exemple, de faire le pas, sauter le pas entre Excel et Laïs. Alors, les problèmes rencontrés, ils sont de cet ordre-ci. Le bâtonnet qu'on voit ici à gauche est une erreur, est un reliquat de quelque chose qui ne devrait pas exister pour cette diapositive. Voilà, listé ici en bas les quelques problèmes qu'on peut rencontrer quand on met un projet Elaïs en route. Ça part de problèmes de budget peut-être. Est-ce qu'on a minimum pour payer l'abonnement? Problème technique, il faut peut-être remplacer le serveur, il faut peut-être remplacer un NAS. On a des data existantes qu'il faut récupérer, c'est très important. Il faut que quelqu'un s'occupe d'Elaïs, donc c'est un problème de ressources. Et qui dit ressources ou quelqu'un dit temps. Alors si on met tous ces problèmes en perspective, voilà comme ici, on s'aperçoit que le changement reste, comme dans beaucoup de projets et comme dans beaucoup de nouveautés, en fait, le changement reste un élément capital et un élément des plus importants, voire des plus difficiles à gérer. Les clés du succès ou les clés du changement, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de miracle, on ne met pas Elaïs en route sans qu'il y ait au départ des préalables. Et les préalables, c'est voilà, conscience des déficiences du système actuel. Si on est content avec le système actuel, il y a évidemment beaucoup de raisons de changer pour avoir un système plus performant. Mais si on se dit, ok, moi avec ma vieille deux chevaux, ça me suffit, c'est encore une solution. L'objectif visé est important pour le bureau, donc il faut s'en rendre compte que, évidemment, si Elaïs s'est mis en place, on va gagner du temps, on va gagner plein de choses. Il faut évidemment des ressources et compétences internes au bureau, mais là je crois que les bureaux de géomètres sont équipés pour avoir à l'interne ces ressources et compétences. Il faut qu'il y ait un contexte relationnel propice. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est quatre au bureau et si on est quatre à se tirer dans les pattes tous les jours, vaut mieux éviter de mettre en place quelque chose comme Elaïs qui va demander de la confiance, qui va demander de la collaboration, etc. Et enfin, il faut qu'il n'y ait aucun changement majeur en cours. Donc on pourrait difficilement, par exemple, bon ici j'ai imagé un grand changement par la construction d'un nouveau bureau. Ce ne serait pas, à mon avis, totalement compatible avec la mise en place d'Elaïs. Vaut mieux attendre que le bureau soit fini pour après mettre en place Elaïs à tête reposée et pas avoir un cerveau encombré par l'entrepreneur et les architectes. Et enfin, il faut que le responsable du bureau soit véritablement enthousiaste. On ne peut pas avoir un objectif de ce type-là sans que le patron, sans que le gérant ne soit véritablement la locomotive du projet. C'est lui qui doit pousser, c'est lui qui doit assurer le changement, convaincre aussi peut-être les gens du bureau de dire ok, on va faire un effort, ça va être bien. Mais si le responsable n'est pas lui-même enthousiaste, ça pose un véritable problème, bien évidemment. Alors, le changement, en fait, je l'ai, en tout cas, les différentes étapes du changement, je les ai ici mis sur un graphique où on a en ordonnée la motivation. La motivation, ce sont les mots verts, entourés de vert. Ça part de l'enthousiasme, où il y a doute qui n'est pas en vert, espoir, satisfaction, confiance. Et puis, en abscisse, on a du temps. Alors, au départ, on va passer par une phase d'enthousiasme, qui est la phase d'information. Donc ça, c'est effectivement, ou plutôt probablement, la phase que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous prenez de l'information sur un logiciel et a priori, enfin j'espère, que vous serez enthousiaste à l'issue des jours de formation pour dire waouh, génial, on va mettre Elaïs au bureau et ça va être chouette. Ensuite va venir un cap. Pas un cap, une séquence de doute et de désillusion. Pourquoi? Parce que vous allez quand même vous rendre compte, ok, c'est une démarche, c'est un véritable objectif, c'est un projet que de mettre Elaïs en place. Et donc, au fil de la mise en place, ben on va peut-être perdre courage, on va se dire, waouh, c'est plus difficile que prévu, et donc il va falloir là mordre.
mordre sur sa chique, comme on dit. Et c'est une séquence par laquelle passent pas mal de bureaux, il faut bien se le dire. Ensuite, au fil de la formation et surtout de l'utilisation, il y a l'espoir qui va apparaître. Vous allez vous dire, ah, ok, on a compris. On a compris la philosophie, on a compris les réflexes à avoir quand on fait telle et telle chose. Donc là, il y a quelque chose qui va ressurgir, il y a l'espoir qui va arriver. Et il y a ce que j'appelle le cap à passer, à un certain moment où vous allez accepter le changement, vous allez être satisfait pour arriver en définitive à une motivation, à une grande motivation qui sera donc de la confiance, où là vous aurez confiance en Elaïs, vous aurez confiance en ce que, en ce qu'il vous procure comme, comme gain de temps, etc. Mais le cap à passer est relativement est très important. Enfin, il faut l'avoir à l'œil, il faut l'avoir, il faut le savoir que Elaïs ne se mettra pas en route si on prend la ligne de temps en 3 jours. Il va se mettre en route en quelques semaines probablement. Alors sa mise en œuvre, ben, elle peut se faire de manière très différente. Soit on est tout seul, on met ça sur une machine, on est deux, on met ça sur deux machines. Bref, Elaïs a une base de données partagée qui sera donc sur un serveur ou sur un NAS au bureau et on peut l'utiliser évidemment de n'importe où, n'importe où dans, dans le réseau. Donc il n'y a pas à ce niveau-là de ce souci à se faire. Alors, besoin d'une autre gestion. Là, je n'y répondrai pas. Je vais ici faire paraître 7 indicateurs objectivement vérifiables. Alors, c'est quoi un indicateur objectivement vérifiable? C'est quelqu'un, c'est quelque chose plutôt que vous allez constater. Imaginons enfin, n'importe quoi. Vous allez émettre un avis sur quelque chose. Si quelqu'un d'autre, moi, votre collègue ou votre collaborateur, va analyser la même chose, il va arriver à la même conclusion. C'est ce qu'on appelle un indicateur objectivement vérifiable. Donc si les conclusions sont identiques, c'est qu'effectivement cet indicateur est vrai. Alors, parmi les indicateurs, donc la réponse à la question besoin d'une autre gestion, le système actuel ne suffit pas et vous ralentit dans votre activité. Vous utilisez des systèmes différents, retrouver un nom, un numéro cadastral, un dessin est une galère. Vous avez l'impression de perdre du temps dans la gestion de votre bureau. La facturation vous pèse et vous demande un temps fou. Votre gestion actuelle a un look vintage. Vous n'avez aucune idée de votre rentabilité. Et enfin, vous vous rendez compte objectivement que vos data sont quelque peu en désordre. Alors, j'ai l'habitude de dire que si un des indicateurs se vérifie, c'est que probablement vous avez besoin de changer quelque chose. Mais à cette question, bien évidemment, je n'y répondrai pas. C'est à vous donc à apprécier cette phrase et vous dire, ok, j'y vais pas. Voilà pour la première partie pour l'introduction plutôt de cette formation. Et nous allons donc passer maintenant à la matière réelle, qui est donc l'installation du logiciel. Voilà, je propose de passer à l'installation d'Elaïs sur vos machines. Et bon, je vais vous montrer comment je vais faire. Il n'y a pas de grandes difficultés. Il faut d'abord aller sur le site d'Elaïs, qui est www.elaïs.be. Première étape. Deuxième étape, voilà la page principale du site. Nous avons ici le bouton de téléchargement qu'il suffit bien évidemment de cliquer. Et là, Elaïs s'ouvre une nouvelle page, installation, télécharger le logiciel. Et là, vous avez un tout petit exécutable qui va s'installer sur votre disque. On va faire enregistrer. Voilà, il est maintenant sur le disque et il suffit donc de cliquer sur install.exe pour lancer la procédure proprement parlée. On peut fermer le Google
et exécuter l'exécutable. Voilà, l'installation est partie. Et l'AI sous l'installation va télécharger une série de fichiers qui vont prendre un certain temps. On prend la langue française. On lit les paramètres d'installation et là, il suffit de laisser travailler Elaïs. Installation rapide, ce qui veut dire que Elaïs va aller s'installer, le programme va aller s'installer sur ces deux points, slash Elaïs comme répertoire. Et là, donc, je propose de le laisser tourner. On choisit bien évidemment la nouvelle installation et Elaïs n'a jamais été utilisée et on fait suivant. Alors cette petite fenêtre pour indiquer à Elaïs où on va installer la base de données proprement dite, pas le programme. Le programme, je me répète, il est en C2.Elaïs. Ici, on va dire, voilà, on va sur l'explorateur. Et là, on peut choisir ici D, par exemple, comme on pourrait installer le programme en E2 points, ou ici, en l'occurrence, en H2 points. On ne va pas le faire. Dans le cas, l'exemple que je vais prendre, je vais choisir C2 points et faire sélectionner un dossier. OK. Et là, on voit qu'on a sélectionné C2 points avec une image d'une série de répertoires qu'Elaïs va créer. Alors, Elaïs va créer d'abord un répertoire qui s'appelle C-Elaïs Data. En dessous de C-Elaïs Data, on va avoir trois répertoires principaux qui sont Database, Dataprog et DataUser. Dans Database, nous aurons la base de données Elaïs, donc ce dont le programme a besoin pour tourner, avec toutes les datas qu'on va donc incorporer au fil du temps. Dataprog, qui est simplement des accessoires, du son, des images, etc. Pas très important, mais nécessaire. Et enfin, DataUser, qui sera un répertoire avec, par définition, les données de l'utilisateur. Donc, vos données, nous y reviendrons évidemment plus loin. Voilà, ça c'est l'explication de ce qui se passe ici. Cela dit, vous avez le texte à gauche qui dit plus ou moins la même chose. Je valide. Voulez-vous continuer avec le disque C pour l'installation donc de Elaïs Data? On va faire oui. Et là, vous avez un petit message de bienvenue. Il faut attendre que la ligne blanche arrive au bout, mais ça vous donne le temps de lire un peu le texte. Voilà. L'initialisation d'Elaïs se fait en introduisant un minimum de choses dans le logiciel. Voilà, j'ai passé le temps d'introduction de mes informations qui sont là. Je vais passer à la page suivante. Ici, on dit je n'utilise ou je continue plutôt sans code. On arrive sur, oui, une chose importante, c'est que la première page, donc celle-ci, on voit ici personne physique, personne morale, c'est en fait le bureau.
Alors, soit on est un bureau personne physique, un géomètre personne physique, pas de souci, son nom, son prénom, comme je l'ai fait ici, ou on peut passer en personne morale quand il s'agit d'une société. Et là, on est bien d'accord que cette page constitue le nom du titulaire de l'abonnement. On passe à la page suivante, sans code. Alors ici, si on est en personne physique, donc c'est la même personne qui est titulaire de l'abonnement, il suffit de cliquer sur la flèche grise ici en haut à droite. Par contre, si on est en personne morale avec un nom spécifique au bureau, ici on va introduire le nom d'une personne physique qui sera donc le premier utilisateur de l'abonnement, Delaïs. Je passe à la page suivante. Ici, nous avons un résumé de ce qu'on a introduit. On peut évidemment aller chercher une image qui sera donc qui pourrait être un logo, mais on peut l'introduire après. On peut avoir la photo du premier utilisateur, mais on peut l'utiliser après également. Ensuite, le titulaire de l'abonnement est, donc ça c'est un profil, soit je vais mettre un indépendant, soit une société, un étudiant, etc. Ça c'est le profil du bureau. Et enfin, l'activité, le type d'activité, nous allons bien sûr parler de géomètre. Voilà, ça nous suffit. On va appuyer sur la page suivante. Nous avons ici encore une fois le résumé de tout ce qu'on vient d'introduire. Et on peut cliquer, si on est d'accord avec tout ça, ou on peut revenir en arrière pour corriger ce qui devrait l'être. On peut donc cliquer sur initialiser. Vous êtes sur le point d'enregistrer vos premières datas dans Elaïs et d'initialiser le logiciel. Voulez-vous continuer? Oui. Et là, Elaïs va s'installer correctement en vous proposant au fil de l'installation quelques images du logiciel. Alors pour arriver au fond, nous avons une petite ligne verte rapide qui indique que c'est en marche. Et nous avons au-dessus une plus grosse ligne qui indique le niveau d'avancement. Voilà l'initialisation d'Elaïs effectuée. Il nous suffit donc de cliquer sur Terminer pour complètement finir cette étape. Alors passons maintenant au démarrage d'Elaïs. Vous devez avoir sur un de vos écrans, si vous en avez plusieurs, une icône qui ressemble à ça. L'icône d'Elaïs, vous double-cliquez dessus, bien évidemment, pour ouvrir le logiciel. Version 7, l'année prochaine, ce sera la version 8. Il y a une version majeure tous les ans, 7, 8, 9, etc. Et il y a deux, trois versions intermédiaires
sur l'année. Et là, il s'ouvre par défaut sur cet écran-ci où ce sont des tuiles. On reviendra sur cet écran. Ce sont des raccourcis en fait que l'on peut agencer un peu comme on veut. Je vous propose de le laisser de côté pour l'instant et d'y revenir plus tard. Pour quitter ce menu, un Escape suffit pour revenir à l'écran principal à proprement parler d'Elaïs. Les tuiles en fait se récupèrent en cliquant sur l'icône du centre Fast Menu. Alors, je propose, comme il nous reste que peu de temps pour cette session, de vous présenter le menu principal, ce que j'appelle la dynamique du menu principal. Donc, vous le voici dès qu'il s'ouvre. Alors, on a sur le bandeau supérieur, on a les modules d'Elaïs, qui vont donc de contact à utilitaire. C'est ce qu'on appelle donc le menu principal module. Ensuite, on a pour le centre un autre menu, ce qui est en bleu. Ce sont toutes des petites fenêtres qui permettent d'apprendre beaucoup sur le logiciel. Il y a des non-dits, il y a des trucs, il y a des tips, il y a des vidéos, comme on vient de le voir. Il y a, bref, toute une série de choses qu'il est conseillé de visiter. Et je marque ici en clignotant, visiter tous ces boutons bleus au moins une fois. À un moment donné, vous avez 2 minutes, ouvrez le bouton, vous apprendrez, à mon avis, toujours quelque chose. Entre les deux, on a une maxime. Quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. En fait, il y a dans Elaïs 6700 maximes de ce type-là. C'est aléatoire. Tous les jours, vous en aurez une nouvelle. Vous pourrez remettre à zéro, évidemment. Et tous les jours, ça vous fait quelques secondes à passer et à réfléchir sur une petite phrase. Ensuite, on a ici au centre un outil de recherche. Donc, sans rentrer dans le logiciel, on peut trouver, par exemple, je vais taper mon nom. Et voilà, dans le résultat de la recherche, je vois que j'ai deux noms. J'ai un nom, le premier, c'est moi en personne physique, tandis que le deuxième, c'est l'utilisateur d'Elaïs, c'est-à-dire le bureau, le fameux bureau en question. Donc, c'est un outil de recherche qui permet, bon, ici, on l'a vu, je vais recommencer, de trouver n'importe quoi dans les contacts, dans les dossiers, dans les offres, etc., un peu partout dans Elaïs. Ensuite, nous avons l'agenda, un bouton agenda, plutôt planning, qui permet d'ouvrir. Bon, ici, évidemment, il n'y a pas grand-chose, un planning vierge. Et enfin, en bas, on a trois gros boutons qui permettent d'accéder rapidement, sans passer par quoi que ce soit, à un nouveau contact, un nouveau client, un nouveau dossier. Et en bas, nous avons trois gros boutons qui permettent d'accéder rapidement à la création d'un nouveau contact, d'un nouveau client et d'un nouveau dossier. Voilà, ça c'est ce qu'on voit quand on arrive dans Elaïs. Maintenant, la dynamique du menu principal, elle va beaucoup plus loin. Si je clique par exemple sur Contact, oui, d'abord on a une image qui illustre en fait le module, mais je propose d'aller. On peut laisser en fait, on peut le laisser pour l'instant. Si je passe dans Activité, on va voir une image qui illustre l'activité. Si je passe dans Communication ou Documents, on va encore avoir une autre image. Bon, ce sont évidemment des images qu'on peut mettre de côté et éviter. Je reviens sur le bouton Contact. Donc, on est dans le module Contact. Et là, on voit apparaître une deuxième ligne de menu qui est en fait, on peut appeler ça un sous-menu ou en tout cas le menu de niveau 2. Le niveau 1 étant les modules, le niveau 2 étant ceci. Alors, c'est évidemment un menu dynamique qui change avec les modules principaux. Ici, dans Contact, par exemple, on retrouve, comme il a été expliqué dans le PowerPoint, on retrouve les fameux partenaires d'Elaïs, donc clients, fournisseurs, personnel, conseil, etc., banque, consultant. Si je clique sur Activité, ce menu va se mettre à jour et va maintenant parler d'activité. On va retrouver les fameux niveaux d'activité comme le dossier, l'offre, l'info, les prestations importantes, les activités non facturables qu'on verra.
plus loin, etc., etc. Pour les différents modules, je vais finir par finance comme illustration ici, avec les factures de vente, les factures d'achat, la balance AG, les barèmes, les comptes bancaires, les crédits, le dossier comptable. Voilà. Donc, on voit que ce menu est dynamique. En termes de menu dynamique, nous avons ici sur le bandeau titre où il est marqué facture de vente, on a aussi une série de petits boutons qui sont en général des utilitaires ou des raccourcis et qui changent aussi avec le module principal. On va voir ce menu se réajuster un petit peu. Voilà, il s'est réajusté un peu. J'en ai plus ici pour les contacts. Et ça permet de faire de la recherche, par exemple, de trouver l'agenda, d'avoir le calendrier de l'année, l'aide d'Elaïs, l'ajout d'un nouveau contact. Bref, une série de petites choses intéressantes qui sont accessibles de partout. Donc ça, c'est le menu dynamique du bandeau supérieur. Maintenant, si je clique sur bon, les clients, évidemment, je n'ai encore pas de clients dans Elaïs puisqu'il est tout nouveau. On a encore un niveau où je vais cliquer sur peut-être tous. Tous, j'aurai des choses. Voilà. Ici, j'ai des choses. J'ai encodé Elaïs. Plutôt Elaïs, la société est allée s'enregistrer comme un contact partenaire. C'est un fournisseur. Si je clique sur fournisseur, je vais avoir la société Elaïs. Je vais rester là une seconde. Si je clique sur personnel, j'ai été classé dans personnel puisque j'ai été le premier utilisateur d'Elaïs. Il n'y a que ça pour l'instant, je pense, oui. Si je reclique sur tous et si je clique sur les partenaires et autres, c'est-à-dire véritablement maintenant tout ce que j'ai actuellement dans ma base de données. Ça a l'air d'être des doublons, mais ce ne sont pas des doublons, il y a une explication à tout. Le GaySLUC en bleu clair ici, c'est l'utilisateur d'Elaïs, donc le bureau qui utilise Elaïs. Ensuite, j'ai Guess personne physique. Ensuite, j'ai GaySLUC et on voit que Elaïs est dans la colonne rattachée à. Donc, on sait ici que Luc Guess est rattaché à la société Elaïs. Et enfin, j'ai Elaïs, la société fournisseur du logiciel. Voilà, il y a déjà des préclassements. Ici à droite, on a des petits rectangles, des petits carrés qui sont en dessous de lettres où on retrouve C pour client, F pour fournisseur, P pour personnel, PR pour prospect, etc. Alors ça, c'est la partie principale d'Elaïs où, donc pour n'importe quel type d'objet, on a souvent des listes, comme on le voit ici, où on peut avoir également, comme ici, dans personnel, on a une tuile. Fournisseur, oui, on n'a pas encore grand-chose, évidemment. Il n'y a pas moyen de vous montrer grand-chose, mais on peut avoir la liste des clients, la liste des fournisseurs sous forme de tuiles, comme ceci. Une tuile qui, entre guillemets, comme je dis toujours, parle. On trouve déjà une série d'informations sur la tuile sans entrer dans la fiche de la personne. Si je reviens sur ici les gens, donc ici on a la liste et en double-cliquant sur la personne, sur la liste en question, on arrive bien évidemment dans la fiche détaillée du contact. En fait ici on est dans la fiche de GuestLuc avec bon des sections. Je propose d'aller dans les différentes sections la prochaine fois, mais on trouve déjà l'identification, l'adresse, l'occupation bien évidemment, tous les contacts, tous les paramètres de communication. On trouve toute une série de choses, la géolocalisation aussi. Si je vais dans la fiche personnelle, oui, dans la fiche personnelle, évidemment c'est la même puisque je vais retrouver Luc Geiss. Si j'ouvre la fiche du personnel, on va voir tout de suite ici la petite différence qu'il y a. Je vois ici au-dessus un menu où je retrouve les différents types de partenaires. Donc on voit que Luc Gaïs ici, il y a un bouton qui est allumé, il est parti, il est membre du personnel. Si je clique maintenant sur la société Elaïs, je vais avoir la fiche Elaïs et on voit que le bouton fournisseur est allumé. Donc la société Elaïs est un fournisseur, en l'occurrence, du logiciel. Voilà pour deux types de fiches, personnel, fournisseur et contact en général. Il reste une fiche très importante qu'on va trouver sous le bouton utilitaire.
et c'est la fiche du bureau. En l'occurrence, ici, dans l'exemple que j'ai fait, la fiche utilisateur et laïs, mais c'est LuckGuess Géomètre, par exemple. Si je clique sur ce bouton, je vais entrer dans une fiche totalement spéciale, unique, puisqu'il n'y a qu'un utilisateur supérieur, je vais dire, Delaïs, donc c'est le bureau, où là on va trouver, on ne va pas rentrer dans le détail ce jour, on va trouver l'identification du bureau. Son nom, une ou deux adresses. On voit ici une adresse et deux adresses. On aura la géolocalisation. On peut déjà aller voir la géolocalisation, mais je dois rafraîchir la fiche pour ce faire. Voilà. Ah oui. Ah oui, la géolocalisation n'est pas faite, évidemment. La géolocalisation, on a ici les infos diverses avec le numéro de TVA. Et toutes ces infos, évidemment, sont importantes car c'est ici qu'on va venir chercher les différentes informations qu'on va imprimer, par exemple, sur certains documents. Et en l'occurrence, un des documents principaux d'Elaïs qui est la facture. Voilà, on trouve encore à ce niveau-ci, au niveau des utilitaires, on trouve un bouton dans le menu de niveau 2, un bouton paramètres. C'est un bouton dans lequel on ira directement à la prochaine séance, où on peut donc logiquement aller paramétrer une série assez conséquente de choses, que ce soit des couleurs, que ce soit des façons de travailler, que ce soit des choses à imprimer sur une facture, etc., etc. Il y a énormément de choses qui sont classées, grosso modo, par les modules dans lesquels les fameux paramètres sont utilisés. Si je vais dans Contact, voilà, ici sont des choses qui ont trait au contact. Donner par exemple des couleurs partenaires aux clients, fournisseurs, personnels. Voilà, c'est à ce niveau-là. Il y a au niveau finance, il y a au niveau facturation, il y a au niveau de la gestion, des SMS. Bref, tout ce qui peut être paramétré est ici, ce qui permet évidemment d'avoir un Elaïs, je dirais, qui est presque le reflet de son image ou de ses habitudes, en fait. C'est un peu, bien évidemment, à ça que ça sert. Voilà, je vais sortir du module paramètres et sortir d'Elaïs définitivement pour aujourd'hui. Je vais terminer la session et je vous propose de revenir la prochaine fois, donc ce sera le jour numéro 2 pour la suite de cette installation. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de journée.